Allez, JM! Bayo, Bayo, Bayo! Oui, bien bonjour, camarade. Nathanaël font le progrès en moins de mois. Et c'est ça, force au mouvement de grève. C'est des camarades, pourquoi penser timides, qui perdent au micro au début et qui parlent à la cheille. Et ça en voulait aussi, c'est que tous les camarades grévistes et non grévistes exprimés aussi. Parce que en mouvement de grève, ça a l'habitude vivant et ils ont qu'à démontrer à travers combats ont entamé qui gens ont déterminé ça ce qu'a fait. Alors les camarades souhaitaient les vœux, mais moi qu'a fait autrement. L'année 2023 qui est bon parce que les camarades a payé qui a montré nous chimer là pour nous prendre là pour nous payer justement passer une bonne année pour nous faire pas de problème. Camarades, en content qu'elle nous là, en pas la petite dit ça, mais en content qu'elle nous là, parce que les camarades étaient en dissidence centrale à yo, mais il faut une vie syndicale et une vie de gréviste, parce qu'il y a des grévistes qui n'est pas syndiqué aussi, à devant entreprise là pour nous passer, pour que les autres aussi passent à côté, là nous avons des camarades à la CGTG, en face à Cimentier, nous avons des camarades à la CFDT. Les revendications pètent les mêmes si on le point. AGMA, ni les camarades à la CGTG, CFDT aussi. Et SIGL qui est en bas là, délégué syndical là, présent là. Ni camarades à Orange, ni camarades à Banane, ni camarades à Pôle emploi, ni camarades à CHU, ni camarades suspendus depuis 14 mois. Force Bayo. Ni camarades à ArcelorMittal, sorti en bas 345 jours de grève. Ni camarades à l'UACL. Les camarades des collectivités qui présents, excusez-moi si j'ai oublié, et j'étais là qui TP qui sont Bastet qui viennent, je vais dire juste Bastet. Félicitations camarades. Là, nous avons fait tout ça. Ça veut dire qu'il faut nous parler à l'entreprise là, nous travaillons là, pour qu'elle nous porte non seulement son soutien et force pour les camarades, mais faire nous prendre chimer que les camarades prennent. Pas ni pour entreprise, pour établissement public qui n'a pas de problème. On allait travailler par des difficultés. Et ça nous a dit, et que j'ai fait un bon, j'ai fait. En 2009, j'ai go vini et il dit, nous sommes sortis, nous sommes accouchés d'un projet, m'a dit, Nguada, et qui était le temps qu'il faut. Mais là, il voit, il y a des cas de le gouvernement a eu Mario Marie, M. Fillon, et en te feu pour citer que c'est là, Esbilon Sarkozy. Après appel à des pointes, après appel que Payen voyait pour Ayotte en Martinique, que Willy Angel voyait, il a dit rentrer. Mes autres, directeurs, autres, regardez si vous passez à l'année passée, à même là, il était passé à une série d'entreprises. Il avait des amis qui ont la goutte qui a fêté la bonne année et la nouvelle année. Mais là, depuis le 1er janvier, il y a un avion, il débarque en Guadeloupe, il part au Géfoucan. C'est la plus grande victoire pour vous. Directeur général à PEI, et directeur à PEI Guadeloupe, je là, parce qu'il est là. Et bon, j'ai parti. Alors, il a fait des grandes déclarations. Les camarades ont raison. On ne peut pas tirer si pour syndicat, parce qu'on voulait que c'est travailleur qui est au combat. On a dit pourquoi? Parce que la syndicalisation représentait 15% de Guadeloupe par les travailleurs actifs. Ça veut dire 85% qui pas syndiqués. Et si nous brisons gagner en grève, nous brisons à la fois les camarades qui syndiqués, mais les 85% nous va dans eux aussi non syndiqués. C'est eux ces forces à mouvement là. Et le plus souvent, ils sont plus déterminés que les camarades qui déjà syndiqués. C'est pour ça d'accord avec les Indiens d'Amérique. Ils ont eu deux chefs. Un chef en temps de paix et un chef en temps de guerre. Et chef en temps de guerre, là, il a mené la guerre. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre. Donc, la CFSGC qui a dit en grève, mes camarades faisons savent, délégué du personnel suppléant à CFSGC, il était en face à les camarades en début de négociation. Vous ne pouvez pas servir des maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas à la fois être la direction. Et à la fois de gréviste pour aller contre la direction. Pas laisser pas mon couiller des autres, même si nous avons payé le carnaval.
pas laisser pas mon courrier dans le niveau là ça. Ça réglé. Deuxièmement, la direction à l'EDF a dit, et si, on a bien dit si, parce qu'on a pris défense à tout travailleur, même si on est des fonctionnaires. Si effectivement, la direction du travail dit que l'EDF hors jeu, si l'application de l'accord Bilo, on a bien dit si, dit ça, eh bien là, il y a qu'à fourvoyer, c'est des malhonnêtes, tout comme la direction. Ni en arrêt, au moins en arrêt à la Cour de cassation, c'est l'arrêt Carlita Jallet. Haïti Internet, ta pays, et ok, vrai. Combien rappel de salaire yo baye? Pas seulement si la Corbino, mais yo baye ligne. Alors pour Victor Azot, il pas ni doute si ça, camarade. Si ce pâté, Andrew Azot, directeur Azot et Yafoukan, au premier avion, dès le 3 ou le 4 ou le 5, il est déjà parti. Jeudi 10, il a toujours, eh bien, ça veut dire qu'ils ont aussi la bonne foi et que, par contre, fais-nous. Et c'est ça qu'a dit Jimmy. Jimmy m'a mis quelques éléments, mais il s'agit qu'elle nous mette un centime près. Entendre qu'avant qu'elle nous vienne là, et c'est pour ça que ça bien, ça nous fait là, qu'il y a un entreprise qui a versé comme un bénéfice, 100 millions, 110 millions. Et là, ils ont baillé les chiffres. Pourquoi ils ont baillé les chiffres? Parce qu'ils sont en grève. Et plein en grève, on dit la vérité, les gens qui ont menti sur vous. 330 millions d'euros. Alors, 330 millions d'euros, camarades. C'est ça, toutes les entreprises privées de Guadeloupe fait comme bénéfice en 2009 sur les résultats. Vous savez, là, au cas, impôt sur les bénéfices, c'est 33%. Sauf incident, hein. Total qui a côté là, là, il était, enfin, quand il a vu Ruby, mais là, c'était, il était qu'à maîtriser la Sarah, il était qu'à payer 7% d'impôt, pendant qu'on tient artisan qu'à payer 33% sur les bénéfices. Parce qu'il mettait dans un paradis fiscal, c'est le Panama. Et c'est comme ça, là, il n'y a qu'à payer impôt, c'est à niveau-là, ça, il n'y a qu'à payer. On est prêt à corriger, c'est ça la réalité. Et donc, l'impôt sur les bénéfices en Guadeloupe en 2009, en 2008, bien, 2008, parce qu'il s'est vu de base de négociation sur l'accord global de LKP en 2009, à part de moi qui dis, hein, c'est Jégo, le directeur des impôts qui dit, l'impôt sur les bénéfices, au niveau des entreprises privées en Guadeloupe en 2008, c'était 300 millions d'euros. Alors, là, nous attendons en 2021 ou 2022, PEI Guadeloupe qui a dégagé 330 millions. Ça veut dire qu'il a fouté toutes les entreprises réunies en 2008, si base à bénéfice qu'il a réalisé. Et pour nous, nous ne pouvons pas admettre. Nous ne pouvons pas admettre parce que, et on dit, Jimmy, fais nous chiffrer. Là, Jimmy a dit, moi, je vais parler de ce contrôle-là. Si, pour les intérimaires, il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'intéressement, ça tout seul qui a besoin 9 000 euros. Il n'y a pas 30% de salaire à eux. Alors, il a dit, Jimmy, combien de salaire vous avez là? Il a dit, moi, je marie 1 800 euros. Alors, calculez. 540 euros, c'est pas trop moins, il n'y a pas tellement fort mathématique. Par mois, il n'y a pas volé les camarades. La prime d'ancienneté, qui a abondé et qui a augmenté le salaire là, il n'y a pas volé les autres. Le temps d'habillage pour tous les salariés, le temps de déshabillage et le temps de pause, il n'y a pas volé les autres. L'autre dit, si les congés payés, il n'y a pas volé les autres 4, 3, 4 jours par l'année. Mais sans bon des volets qu'il a, nous pas ni bon respect vis-à-vis de vous, Atini. Camarades, là nous faisons tout ça et nous mettons ici table et nous publions. Non seulement grève à ce chat populaire, mais on connaît toute la population avec autres pour que nous regardions ces messieurs en fois pour nous. Il y a un prétexte pour dire qu'il y a payé, il y a augmenté. Puis il y a kilowattheure là. Mais nous avons dit qu'il y a augmenté 5 heures, il y a pour les autres. Alors pour moi, il y a qui est déjà gagné. Par contre, là, nous gagnons, et pour nous faire, il faut nous contrer directeur à les impôts pour ne pas payer pour impôts, c'est ça. Je vous les autres pendant 8 ans, 4 ans, puis le temps qu'elles sont rentrées, je vous les autres. Si vous étiez payé votre salaire là, convenablement, ça a été votre 50 à 100 euros d'impôts. Mais là, il y a une grosse somme de conseil qui est tombée, il y a pris une grosse somme d'impôts signe. Donc, nous avons dit, il faut nous imposer jusqu'au bout, et c'est ça, façon nous. Et nous j'ai failli en d'autres circonstances. Alors camarades,
Là, il y a 31 intérimaires sur 106 salariés. Pour là, il n'y a pas de tout ça. À pas de francs 50. Donc, ça a été mis en vie d'arrêter faire grève ou bien de ne pas faire grève du tout, de suivre la CFSGC. Camarade, là, il y a volé où? Il faut acheter l'argent. Si c'est moi, il faut les autres. Les autres, ils ont porté moi, ils fusil, ils ont fait nous, pas. À moi, nous, c'est grève en nous. À moi, nous, c'est le fait que nous sommes collectifs, le fait que nous rassemblés, le fait que nous déterminés. Et là, ils ont fierté à travailler. Tout comme les camarades soignants, c'est fierté à travailler par rapport à un combat qu'ils ont mené. Et ces chimères-là, ça a répété, fait nous prendre. Alors, en panier, doute assez vite pour les autres. Nous parlons de toutes ces victoires aux autres, mais nous avons dit les camarades de la CGT jeudi là, il faut nous inviter les camarades à l'EDFA dans les entreprises, pour nous faire une prise de parole dans le local syndical à nous, parce qu'il ne faut pas nous rester statiques. Il faut nous visiter les autres entreprises, faire nous aller tout partout, faire nous porter l'explication, faire nous porter solidarité, même si les camarades de l'EDFA grève, nous avons l'obité qu'ils ont appris nous, ils ont mis un passé, ils ont mis une histoire. L'histoire là, ça, Carinco, il était préféré à la Guadeloupe, là les camarades frappaient les statuts des UEG. Moi, à Port-Valais du tout. À Port-Valais, que les camarades qu'on Baden, qui était à Énergie Anti, camarades Télémap, qui était à CTM après Vinal Bioma, camarades à Géothermie, pour même poser le travail, il a touché deux fois salaire à son dissident, à Port-Valais, camarades. Ça inadmissible. Ça inadmissible. Et c'est combat, les camarades, pendant plusieurs années, qui obtiennent les résultats. Quand dit ça, la Corbino, les camarades font 75 jours de grève, puis les rappellent. Ici, en Guadeloupe, la majorité de travail fait 38 jours de grève, nous signons 26 février. Mais 75 jours de grève pour Baden et Kipay, Télémac et Kipay qui rappellent, Géothermie de Bouillante, c'est plus de 415 jours, c'est bien ça qu'on a parlé de contre l'azote, 415 jours de grève en 2015, puis ils ont rappellent. Donc, nous ne sommes pas rien sans rien, même si nous savons, ils savent que c'est des voleurs. Yo ka di si ces couillons là pas amendé l'argent à yo, nous pas ni pont intérêt ba yo rien et yo ka mettre à l'intérêt, yo ka fait bénéficier et ça yo ka ba, c'est justement intérêt là que yo fait si l'argent là yo mettez l'autre en ta côté là. Et nous ka di nous pas parler des problèmes à prescription. Yo ka di c'est 3 ans avec Macron, c'était 5 ans Sarkozy, c'était 30 ans à l'époque à Chirac. Nous ka di c'est depuis ont rentré président. Faut nous ni état d'esprit là ça. Yo vole nous, ben yo paye nous centimes près et nous payons des bottes ça. Alors, par rapport à tout contexte là, nous qu'a vivre là, la vie chère, nous qu'a bien dire, nous qu'a répéter, en d'accord avec mot d'azote, l'union des travailleurs en action. Et mais ni en histoire à le mouvement vouillé. Là, yo répondre à ces questions là ça aussi avec le comité de grève. On a des camarades des différents syndicats, des camarades non syndiqués qui créent un comité de grève qui définit de A à Z toute grève là. Parce que la grève c'est la guerre. La grève c'est la guerre. Et bien pour que grève qui nous ici grève en nous, faire nous faire mettre tout le monde en mouvement, ils ont bien fait, mais ils bannissent nos comités de grève, mais il faut prendre là ça. Il faut des camarades qui aillent chez Solidarité, ni des camarades qui ont des problèmes à camarades qui, par exemple, ni Timoun qui aillent à l'école, ni des camarades aussi qui passent en tournée dans les entreprises, ni des camarades qui ont lié la presse. Fait ça vivant, parce que Nathanael Raot, exemple là, il battait qu'on est allé au syndicat, mais j'en ai son dirigeant, parce que tout comme Emmanuel Rudy qui là, les camarades viennent des dirigeants, parce qu'ils ont pris en main, et c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir, camarades. La CGTG, c'est ça nous demander, que les camarades là, c'est eux qui travaillent. À part moi, on va travailler à l'électricité, à l'EDF. C'est eux qui travaillent là. À même chose, on va travailler. Ils ont fait défendre l'intérêt à zone de A à Z. Ils n'ont pas pris bas qui c'est soi-disant directeur à débattre là. De l'homme débattu, ils ont plus intelligent que de l'homme. C'est le boulot au moins, il a dit intelligent parce qu'il a fait les autres, ils n'ont pas dit rien. Enfin, ils n'ont pas dit rien. Mais depuis le 5 décembre, préavis déposé, et quand il est là, ils savent ça. Ils savent. Et de toute façon, les qui signent le protocole là, ils ont fouillé le travail là, parce qu'ils ont dit, vous échouez là, d'autres directeurs ici. Alors, camarades, si ça, pas ni pour faveur, ni. Et l'UDG, qui quittait l'entreprise d'Abadendade là pour entrer ici, n'acceptant baisse de salaire, vous pensez combien? Combien vous faites par mois? Eh bien, vous aussi, faites établir en tout droit, parce que nous ne pouvons pas admettre, nous ne pouvons pas admettre que des camarades qui quittent en secteur de l'énergie pour qu'à rentrer à PEI pour salaire à UBC. Non, la vie qui a vint chère à tous les niveaux. Zortiton, les mutuelles ont augmenté de 4,5%.
Donc ça veut dire que le salaire va augmenter en équivalence dans ça. C'est ça va créer l'échelle mobile des salaires. Prix va augmenter, le salaire va augmenter autant. Donc faisons des habitudes, nous pas inventer ailleurs. Le mouvement voulait constituer, et dans la constitution, il mettait en place des axes, des points et des cahiers de revendications et une plateforme pour nous mettre en place. Et cette plateforme-là, ça est plus que jamais d'actualité. Alors par contre, question qu'a posé moi à présent. Est-ce qu'un tennis syndicat ici dans? Parce qu'elle ne peut pas admettre qu'il y a autant de problèmes, autant de vols pour que tout le monde bouche à yo. Et ces choses-là, en 2023, en fin 2022, début 2023, nous attendons qu'il y ait des problèmes à poser. On sait ces syndicats à payer, on les dirigeants à payer. Et camarades qui, à la base aussi, faut mettre les gens à yo, faut piquer yo contre Banglais à piquer, contre Clou à piquer, pour dire camarades, ou syndicalistes, ou là pour défendre intérêt moins et non pour défendre intérêt personnel, intérêt partisanal, qui est intérêt individuel. Le syndicat, c'est le collectif. Le syndicat, c'est le collectif. Dernier monde qui progresse, ou bien qui a progressé ensemble avec tous les travailleurs. Ou pas servir d'abord, et après, ou quasiment froid les autres. Donc, camarades, si nous voulons le syndicalisme progresser, si nous voulons qu'il y ait l'honnêteté, si nous voulons qu'il y ait monde fait nous confiance, si nous voulons qu'il nous prenne nous en main, eh bien, c'est ça pour nous faire. Pas attendre si les autres. Les autres jeunes, ils ont l'histoire. Mais ça, c'est parti, l'argent. Mais là, les camarades disent ici, dans la première prise de parole, nous faisons. Qu'il y a des camarades qui font bras, yo, Jean Mayo, à l'accident de travail ici, dans. Là, ils joignent Jimmy, Baden, Claude et Nathanael. Premier contre eux, à la direction du travail. Ils ont dit, moi, comme ça, Nathanael, c'est mon cousin, moi, pour y aller dans ça. Mais ça aussi, camarades, ça pas ni non. Ça pas ni non. Nos camarades, à ce j'ai trois. Jamais, Pierre est coupé, les ponts l'ont tombé à ses filles. Mais après, il dit malade. T'as là qui montait, inversé des pieds là. Eh bien, famille, il a délégué à Club Med, à l'hôtel là. Il a dit, moi, comme amis, cousins, c'est cousins, on camarade, femme, camarade, homme, à différentes familles. Mais, yo famille, il a dit, cousin, il a dit, moi, il est bosseur. Le fait que tu as couché, si couche. Et quand ils mettaient dans le coma artificiel, eh bien, si vous n'avez pas réagi, ils ne savent pas qui j'ai fait pour ça. Donc, nous perdons, comme camarade à vous de Guadeloupe, c'était délégué à nous, Thierry. Nous perdons, comme assimilation bois de vote, 12e mort en 30 ans, quand il est là, parce qu'il était né en 25 ans, 10 morts. Je ne vais pas compter, c'est là qu'il est mort en accident de travail là. Mais c'est là qu'il est mort avec l'ordre qu'on n'a pas ni pas ni non. Hein. C'est là qu'il est mort empoisonné là. C'est là qu'il est mort avec arrêt qui est pas ni non. Donc, nous faisons des camarades. Donc, rappelez-vous de Royal Béo. Benito. Camarades, nous manifestons avec les camarades à Ossébao Jari ici en janvier. Nous avons une machine à plus de 40 tonnes, assis pour la marcher sur un jeune Sibourg à 33 ans, d'origine roumaine, qui partait qu'à faire 60 kilos. Il mort sur le coup. Et si nous comptons ça, blessé, toute vie à yo, ça pas ni non. Alors, camarades, nous ne pouvons pas gagner vie en nous au travail, nous ne pouvons pas perdre vie en nous pour 2, 5 sous, 10 sous, et là, nous ne voler nous le pouvoir. Donc, la protection, tout ça qui conditionne le travail, tout ça qui conditionne le travail, nous ne pouvons pas tirer à ce qu'il y a respecté. À la lettre. Et faut nous goumer pour ça. Faut pas nous hésiter à goumer pour ça. Alors, avant de finir, si le clown déconne, à quel dire un mot, camarades de l'énergie en position de force, les camarades de l'équipe Baden, ils ont à leur disposition. Nous nous disons qu'il faut nous goumer. Parce que comme pays supplémentaire, on a fait, parce qu'on a touché 4000 euros, là, on fait supplémentaire, chez 2700 euros, vous pouvez vous aider, vous prenez un traitement permanent. Nous avons la possibilité que toute l'équipe Baden, qui au chômage là, intégrer l'EDF, intégrer PEI pour les mêmes avantages, c'est une revendication pour ajouter. Oui, ça fait 27 revendications là, mais ça lié combat les camarades, 30 mois les camarades qui ont goûté pour intégrer eux. Seule entreprise qui a licencié les gens en toute branche à l'EDF. Moi, vérifier, il y a des camarades qui ont dit ça, atteignant d'autres, mais en vérifier, on seul qui ferme, c'était en centrale à charbon. Ils ont reclassé tout le monde. Nous avons licenciement avec la création d'entreprise. Et avec la guerre qui fait en Ukraine, ils ont sorti une nouvelle usine, ils ont réembauché toutes celles-là qui partent à travailler là, qui étaient en direct de travail. Pas ni pas raison pour ça pas fait en Guadeloupe, camarade. Alors, combat derrière pour manier,
c'est les camarades de l'énergie, et la fédération de l'énergie et toute la confédération fait nous mettre nous en branle pour que nous fassions en sorte de réussir toutes les revendications. Alors, avant d'être un camarade à l'ONF, avant d'être un camarade à la Brine, ça va être retraité aussi, parce que nous allions les retraités, à la Kobala, camarade à la Palette, et tout ça. Donc, ça vient. Alors, si Claude déconne, on va finir ça, parce que c'est d'actualité. La partie à Durimel nous fait appel. Nous fait appel, c'est normal. Mes camarades nous ont bien dit, ça est passé là, il faut que nous posions problème à, dans toute entreprise que nous y est. Nous là pas potable. De là, Nicolas de Conado, t'es là empoisonné au Claude Conado. Donc, tout ça nous a fait. Le acheteur J, en met artisan, même s'il si a toute bonne volonté, il n'y a pas de Conado. Le bouillie, manger à eau, même si on a dit après, pas utiliser parce qu'il n'y a pas de caca, vous avez passé capesté après Fiona, après capesté à Saulasson. Caca de capoulant, de la moune de cabouet de l'eau. Après, 15 jours après, la reste a dit oui, il ne faut pas. Mais on va boire pendant un peu de temps. Et, on va bouillir, manger, on va faire biberon, bref, on va bosser dans l'eau, on va avaler Claude Conado. Et c'est M. Gavin dit nous que, Pani, son nom lieu, on va bailler. Il faut dans les entreprises aussi que nous mettons question là en avant. Faire nous demander à ce que l'ARS vienne contrôler toutes les entreprises, tous les jours, s'il le faut, pour garder. Niveau à teneur à Claude Conado, il y avait d'autres, hein, parce qu'il y a aluminium aussi, et qui a créé des véritables problèmes de santé publique. Et à part de l'eau potable pour nous. Donc, nous avons de l'eau, qui n'est pas fait nous payer, et qui n'est pas potable. Donc, il faut nous mettre ça en avant. Mais il faut nous faire dans les entreprises et l'établissement public. Donc, faut nous, au niveau des travailleurs, quel que soit syndiqué ou pas, qui nous fait des questions, la question centrale. Et là, nous qui faisons une question centrale, c'est sûr, camarades, nous même vous attendre d'ici la cour d'appel, nous avons une disposition. Disposition là peut être très rapide, c'est une décision politique pour nous prendre. Et quand il peut traîner, ça va dépendre encore une fois de force en nous. Pas négliger ça parce que chaque coup de l'eau qui est ou valé par accident ou volontairement, ou qu'on empoisonne. Ou qu'on empoisonne. Alors, je ne vais pas répéter, il n'y a pas moi qui dit, c'est Louise qui dit. De la commission d'enquête sur le Claude Conado, parce que tout pendant que nous parlons son non-lieu, il fait commission d'information à des parlementaires. C'était Edmond Mariette, avocat là, et Joël Bourgenité en tête à ça. Il fait une autre commission, un autre monde n'a pas changé. Et il fait une mission d'enquête parlementaire, là, il était plus effectivement dans la recherche. Et vers les élus à LFI. Donc, ils viennent du PES, là, c'était par nous, notamment, des rapporteurs. Et Louisy, il a affirmé haut et fort qu'à pas tout le temps, il y a un charbon actif. Parce que le charbon actif, là, c'est censé atténuer, en tant soit peu, degré à Claude Conado. Eh bien, il dit qu'il n'y a pas de café. Et effectivement, il n'y a pas de café. Il faut que ça, qu'un pour dépolluer en station, les camarades à SMGA, j'ai parti, mais il y a dans le domaine là, c'est 400 à 600 000 euros pour dépenser. Et vu trop fort à teneur à Claude Conado, il ne faut pas le faire tous les 6 mois, il faut le faire tous les 4 mois. Donc, camarades, nous avons le devoir, nous avons le devoir de demander compte, notre devoir d'une réponse politique à ce problème là. Et d'amuser tout le monde à AZ. Tout le monde. Pas seulement les ouvriers qui ont baigné à matin, midi et soir, qui ont 21e, c'est qu'à manger à Tela, qui est Claude Conado, parce qu'il n'y a pas de réfectoire, pour eux, malgré tous les combats nous ont menés. Mais il s'agit que nous, tous, nous posons problème à la réclamation à en dépollution de l'eau, en dépollution du sol, et aussi une indemnisation pour tout précis d'arène au Sibila. Alors, vive la grève des camarades de PEI, vive la Fédération de l'énergie et vive la victoire. Merci. Ouais.